Salut à tous, alors ça fait un moment que j'en ai pas posté, aujourd'hui une présentation de fusil. Je suis très content de vous présenter ce fusil, d'ailleurs c'est le Mister Carbon 2.0 de chez C4, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes dessus. Avant de commencer, un petit mot pour vous remercier vraiment de la confiance que vous me faites, parce que tous les Méandros B32 à Cam Series sont partis, donc la dernière série là, de 30 fusils, ils sont partis très rapidement. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Pour ceux qui m'ont demandé en message privé s'il y allait y avoir d'autres fusils à vendre, oui, dans les jours, semaines à venir, ça va être à nouveau dispo. Et pour ceux qui ne connaissent pas le fusil, je vous remets là en lien la présentation et le test de ce fusil. On en revient à nos moutons. Donc, le C4 Mister Carbon 2.0. Comme d'habitude, je vous le détaille vraiment de la crosse à la pointe. Après, on l'essaie dans la piscine et je vous fais un débrief. A tout de suite pour le détail. Alors comme toutes les présentations, je vais commencer par la crosse. Mais là, je suis un peu embêté parce qu'il n'y a pas de crosse de fût ou tête. C'est un fusil qui est monobloc carbone, c'est-à-dire qu'il est fait dans une seule pièce. Alors d'abord, c'est un très appréciable pour l'entretien. Carbone, pas de problématique de corrosion ou autre. C'est aussi très joli. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un très bel objet entre les mains. Et ça amène évidemment des qualités de rigidité optimum, hein, puisqu'on n'a pas de pièces qui se baladent. Donc voilà, beaucoup de qualités intrinsèques au fait à la conception du fait que c'est un fusil monobloc carbone. Alors, on parle un petit peu de la poignée, on est sur une poignée ergonomique droitier, possibilité d'avoir une gaucher bien évidemment, qui est en deux pièces. Ici on a des petits ressorts, mais ça peut aussi être des rondelles, qui permettent de régler cette épaisseur. Alors un petit bémol, moi je la trouve très jolie, très intelligemment pensée. Par contre, là j'ai des grandes mains moi, hein, et je suis déjà un petit peu limite alors que je suis réglé à fond. J'ai cru voir sur le net qu'il y avait cette partie-là qui avait été refaite. Ils proposent une autre partie pour faire une autre poignée. Effectivement, elle est très jolie, bien pensée dans l'idée de la réalisation. Par contre, à l'usage, je ne la trouve pas hyper confortable et je ne trouve pas que le grip soit optimum. Voilà, c'est le petit bémol que je peux apporter sur cette poignée. On voit ici donc, je dirais l'appui sternal qui est bien dimensionné, très agréable. Deux trous ici pour amener un support caméra, ok, pas de problème, c'est bien pensé. On a des inserts à l'intérieur, métal, hein, donc en termes de longévité, pas de souci. Un mécanisme C4, enfin logo T4 en tout cas, que j'ai trouvé très bien moi. La détente, elle est sensible et elle est souple. Le lark feel, évidemment, on peut changer de côté. Il est très largement dimensionné, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est très agréable. Voilà pour cette partie du fusil. En ce qui concerne le moulinet, donc, alors, il est très joli, il va très bien avec le fusil. Hein, vous voyez la teinte avec la flèche et ses raccords. Voilà. J'ai un petit bémol, les matériaux sont de bonne qualité, j'ai un petit bémol, c'est un moulinet auto-débrayant sur lequel malheureusement on n'a aucune possibilité d'amener un petit peu de frein. Je m'explique, si vous tirez ici qu'un fusil, un poisson part avec, ça se déroule automatiquement, totalement, ça libère le frein totalement. C'est très bien pour la sécurité, par contre quand vous tirez un poisson qu'il a pris un mètre de fil et puis qu'il s'arrête, bah, toute la bobine, si vous laissez le fusil derrière vous, il s'en va et elle se libère. On aurait bien aimé avoir au moins une possibilité d'amener un petit peu de frein sur ce fusil. Voilà pour le moulinet. Donc bah, le fût, il n'y a pas vraiment de fût, mais voilà, on a une forme de fût en os de sèche, donc beaucoup plus large ici qu'en tête. C'est très appréciable pour la maniabilité, puisqu'on va avoir donc de la flottabilité à l'aide de cette partie-là, et une grande maniabilité en tête, parce qu'elle est très très fine la tête. Regardez comme le fût est fin ici. Voilà, c'est vraiment top, c'est plutôt bien pensé, j'apprécie beaucoup. J'en viens à vous parler de la tête, donc un passage de fil ici astucieux, qui fonctionne bien, mais surtout, une caractéristique que j'adore moi, c'est la position des sandos. Regardez, ce sandeau là, quand on est armé, il est totalement parallèle à la flèche, celui-ci quasiment. Donc en termes de visée, je dirais visée instinctive, c'est très favorable, puisqu'on ne perturbe pas le cerveau avec deux axes, un axe de sandeau vers le bas et un axe de flèche horizontal. Donc ça, j'apprécie beaucoup. En plus, donc on est sur des 200 dos, un montage 200 dos de 14. C'est très astucieux, on n'a pas un fusil qui est très lourd, on ne peut pas lui amener beaucoup de puissance. Mais on a de la puissance et une grande facilité à armer le fusil. Je vais vous en parler après dans les tests. La flèche, c'est une flèche de 6,5 mm, simple ardillon. Oh, on aurait bien aimé avoir un petit cône de pénétration. La flèche, elle est plutôt de bonne qualité, avec des ergots qui sont bien réalisés, bien soudés. Là-dessus, rien à dire.
Je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite à passer dans l'eau avec moi pour les essais. A tout de suite. Donc voilà, pour ce premier tir avec le C4 carbone, j'ai mis la pointe du fusil à 4 mètres de la cible. Je n'ai pas trop de doutes sur les capacités de ce fusil à tirer correctement à cette distance, mais par principe, j'essaye. Voilà, donc on voit, on a un tir qui est bien tendu. Comme d'habitude, je vais vous montrer qu'on est bien à 4 mètres de la cible. Pas de difficulté, c'est déjà une belle portée, hein, puisque voilà, on est très bien à 4 mètres. Pareil, niveau pénétration, pas de souci non plus. La cible, elle est transpercée et on se plante correctement dans le chêne derrière. Donc un deuxième essai à 50 cm de plus. On est donc à 4,50 m la cible de la pointe du fusil. L'idée, c'est d'aller progressivement. Là, on commence à être sur une distance qui est quand même assez conséquente, hein, sur un fusil comme de ce type, même si c'est un 105. Voilà, donc un tir toujours bien tendu. Et puis, du coup, un résultat qui est très satisfaisant. Comme d'habitude, petit check de la distance. Je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Voilà, on est bien à 4,50 m. Et puis, voilà, le résultat. Alors, j'ai fait évidemment, hein, pour tous les tirs, que ce soit à 4 mètres, 4,50 m ou autre, je fais plusieurs tirs. J'en fais 5 ou 6 pour m'assurer de la régularité. Donc, voilà, on est quasiment exactement comme le tir à 4 mètres. Et on est aussi rentré correctement dans le chêne. Nous voilà donc encore 50 cm plus loin, donc on est à 5 mètres la pointe du fusil de la cible. On commence à être sur des distances vraiment intéressantes et performantes pour un fusil qui a cette maniabilité. C'est un fusil qui est très maniable. Voilà, donc on a encore un tir qui est très tendu. On a un résultat qui est vraiment bon, vous allez voir. Alors bon, j'ai fait plusieurs tirs, ça fait partie des meilleurs quand même. On commence à mon sens à être un peu sur les limites du fusil, ça commence à être un petit peu plus bas, vous allez le voir. Et puis en termes de pénétration, rappelons qu'on a une flèche de 6,5, donc on n'a pas une grosse inertie, une grosse puissance. Je pense qu'on est sur les limites en chasse en tout cas, il ne faudrait pas aller plus loin à mon sens. Nous voilà donc 50 cm encore plus loin, on est à 5,50 m la pointe du fusil de la cible. Je savais déjà dès le tir à 5 mètres que ce serait limite pour ce fusil, mais vous allez voir que effectivement on est plus bon. Voilà, le tir, vous allez le voir, est très bas. J'ai fait plusieurs tirs, j'en ai fait des meilleurs, j'en ai fait des pires. Ça me semble être révélateur de la réalité à cette distance, mais bien sûr ça n'engage que moi. Mais à mon sens, là clairement, pour la chasse, on est plus bon, donc il faudra s'arrêter à 5 mètres. Nous voilà donc sortis de l'eau là pour débriefer sur ce Mister Carbone 2.0 105. Donc les portées, c'est toujours par là que je commence, on l'a vu hein, dans le test. Je pense que 5 mètres, c'est vraiment la limite de ce fusil. Au-delà, on ne va pas avoir ni la précision suffisante, ni la puissance de flèche, puisque on est sur une flèche de 6,5 mm. Donc en termes de capacité de perforation et de pénétration, on ne va pas être bon à mon sens. Donc je les ai limités à 5 mètres. Je pense que 4,50 mètres, 5 mètres, c'est la réalité. J'ai mis 4 étoiles sur 5 sur ces deux portées. C'est quand même très bon. Il n'y a pas beaucoup de fusils, croyez-moi, qui ont ces performances-là. La facilité, la rapidité d'armement, elle est bonne. C'est un double sando, donc c'est moins rapide qu'un mono sando. Mais on est sur des sando de 14. C'est très agréable. C'est très souple à armer. C'est facile à armer. Je dirais même que pour une nana, ce serait pas mal. Parce que pour des gens qui n'ont pas des bras très puissants, en tout cas, on est très à l'aise sur ce fusil à l'armée. Ça, c'est vraiment appréciable. La précision, la visée, elles sont excellentes. C'est vraiment un point fort de ce fusil. Moi, j'ai des difficultés en tir instinctif avec les têtes ouvertes parce que l'axe des sandos et l'axe de la flèche sont différents et ça me perturbe mon petit cerveau. Je suis pas le seul. Donc là, avec ce fusil, on n'a pas du tout ce problème-là. En plus, on a une visée qui est très dégagée, une tête qui est très fine, minimaliste, donc c'est très agréable. Vraiment, c'est un point fort de ce fusil. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5. L'équilibre, il est bon, mais j'ai un petit bémol à apporter, donc j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Le bémol, c'est qu'il est bon, l'équilibre, il pique un tout petit peu du nez, ce fusil. On ne peut pas tout avoir, la tête est très fine. Maintenant, si on voulait changer la flèche et partir sur une 6,75 ou sur une 7 mm, pour avoir un peu plus d'inertie et traverser des plus gros poissons, eh ben, je pense que ça déséquilibrerait franchement le fusil. Et donc là, il n'y a aucune possibilité, pas de ballast, rien du tout pour pouvoir changer cet équilibre, en tout cas amener un petit peu de flottabilité en tête, donc ça peut être un point faible du fusil.
La maniabilité, elle est excellente, 4 étoiles et demie sur 5, c'est vraiment là aussi un point fort de ce fusil. Il est très agréable à utiliser, il bouge bien dans l'eau, la tête est très fine. L'effet hausse de sèche fait qu'il se pose bien dans l'eau, donc il est, ouais, c'est un point fort. Clairement, le look, bon là c'est les goûts et les couleurs encore une fois, mais bon, monobloc carbone, tout en carbone, il est très très beau ce fusil. Moi je l'ai trouvé très très beau, il est très agréable à avoir, on en tombe facilement amoureux. Voilà, la qualité et les finitions, elles vont avec, hein, avec donc les matériaux utilisés, il n'y a pas de fausses notes, les métaux, le carbone, tout ça, c'est à mon sens très bien. Donc 4 étoiles et demie sur 5 également. Et là, on attaque le point dur. J'ai mis 1 étoile et demie sur 5, j'étais un peu raide, mais clairement, on est sur un fusil qui est très cher. On va le trouver avec un moulinet garni entre 950 et 1000 euros. Alors, cher, ça veut tout et rien dire. C'est sûr que si on est sur un monobloc carbone, on a des matériaux qui sont utilisés qui sont très bons, donc ça peut justifier le prix. Après, au regard des performances et de l'utilité que vous allez avoir de ce fusil, c'est sûr que c'est cher. Voilà. C'est pas un fusil d'artisan. Hein. Des fois, ça peut justifier le prix sur des fusils bois, notamment que ce soit fait à la main. Là, c'est malgré tout fait dans une usine, certainement en Chine. Donc bon, 1000 euros, ouais, c'est quand même le gros point faible de ce fusil. On va débriefer donc en conclusion, j'ai envie de dire, c'est un fusil qui obtient 4 étoiles sur 5, c'est une très bonne note, c'est un fusil que j'ai trouvé très agréable à utiliser, moi je chasserais bien avec, ça ne me poserait pas de problème. Donc dans les points forts, le côté monobloc carbone, on en a parlé, ça va avec le look hein, d'ailleurs également, donc c'est vraiment très agréable, c'est un fusil ouais, qui est agréable à avoir en main. La maniabilité, c'est vraiment c'est très appréciable. Et puis la précision, hein, on tire proprement et loin avec une belle portée, donc c'est très agréable. Les points faibles, ou à revoir, hein, bon, déjà la poignée, parce que on parle de la maniabilité, mais elle pourrait être encore augmentée parce que cette poignée, elle n'a pas un super grip, donc ça gêne un petit peu. Moi, je la trouve pas super agréable, donc je pense que c'est un petit point faible du fusil. Le moulinet, clairement, on aimerait bien pouvoir amener un peu de frein sur ce débrayage automatique. La modulabilité du fusil, on ne peut pas vraiment changer de diamètre de flèche. Ça, je pense que c'est quand même un point faible. Et puis, clairement, le prix, j'en ai parlé. Voilà pour la conclusion de ce débrief. Voilà pour la présentation de ce Mister Carbone 2.0 105 de chez C4. J'espère que la présentation vous a plu. Moi, j'ai adoré présenter ce fusil et l'avoir en main, en tout cas. Je vous parle un petit peu de la chaîne très prochainement, je pense un test et une présentation d'un autre fusil qui n'a vraiment rien à voir, fusil du commerce, grande série, et puis en cours de développement un fusil Acam Series, un autre fusil Acam Series, donc ce coup-ci quelque chose de plutôt destiné à la Méditerranée ou aux tropiques, enfin quelque chose de avec une portée importante, capable de tirer des plus gros poissons. Ce sera sur une base de Méandros à nouveau, ce sera sur la base du Méandros Argo en 105 avec des développements ACAM très spécifiques et puis des petites caractéristiques donc, que je vous présenterai. Je vous essaierai de vous présenter les performances de ce fusil qui me semble pas mal du tout, enfin de ce fusil, de cette optimisation de fusil qui me semble pas mal du tout. Je vous laisse me faire les commentaires que vous voulez en message, je serai ravi d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines présentations et les prochaines vidéos de chasse. Je vous dis à très vite.